J'ai chaud le retour pour la saison 2. Le retour. Et pas de partie 1 ni 2. Il n'y en aura qu'une. Je t'offre, voilà, ce petit ticket de caisse. Qu'est-ce que c'est de la tout pharmacie. Parce que nous sommes allés aux Habits de Lumière du 8 au 10 décembre. Il faisait tellement froid, mais les gens se réunissaient pour boire un coup et pour dire adieu à Johnny. Hein. Il faut le citer, Johnny. S'il picolait, il se réchauffait un peu. Ouais, il aurait allumé le feu, lui. Hein. Ouais. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. Dis, tu sais pas où sont les toilettes, toi, par hasard? Ben, là où il y a la queue. Ah merde, alors. On peut parler en attendant. Ah oui, ah oui. Alors, salut à tous, c'est parti. Premier jet chaud de la saison 2. On est aux Habits de Lumière, je remplace Basile de l'année dernière. Désolé, je suis obligé de danser, il fait vraiment froid. Je me suis aperçu d'un truc, c'est que les Sparnassiens ici, ils se réunissaient que pour la fête de la bière et que pour cet événement-là. Du coup, je me suis demandé si c'était des beaufs. Et en plus, je leur ai demandé de noter la soirée sur 10. Donc c'est parti. Alors, salut à vous. D'où venez-vous? De Bourg-en-Bresson. Oh là, et toi? Cumière. De Valence. Si je me permets. Des Bernets. Oui, aussi. We came to go to Disneyland. England. Yorkshire, West Yorkshire. Okay. Et vous venez pour le champagne ou juste pour le croque-monsieur? Le champagne. Pour le champagne. Le croque-monsieur, il y en a à Valence. Hein. Ah. All for the champagne. Oh. Love it. Be careful, hein. Toc toc la tête, hein. Du coup, ça boit beaucoup de champagne ce soir quand même, hein, un peu. On est deux quand même, hein. Ouais, mais à deux, c'est déjà bien, hein. Du coup, sur 10, comment noteriez-vous la soirée? 9. 9? Ouais. Vous êtes super. Généreux, hein? Ah ouais, mais c'est génial. Alors, comment vous trouvez la soirée? Sur 10, comment la noteriez-vous? Festive. Festive? Ouais. Et une note sur 10? Plutôt bien, moi je... 9. 9? Oh. Comment ça va ce soir? Eh, ça va super, est-ce que vous en avez? On savait qu'il y avait un truc, on l'a su hier soir. Exactement. Ah, c'est cool. Exactement, ouais, vous, c'est cool. Vous noteriez comment l'événement ce soir? Sur 10. Allez. Sur 10, bah on mettra un 8, ouais. Allez. 8. Aujourd'hui, 8. C'est un 8. Aujourd'hui, demain, c'est un 8. Pour un prochain épisode. Alors, le champagne. Ça fait des dégâts. Ouais, ça fait des dégâts. Et vous noteriez comment le champagne sur 10 aujourd'hui? Oula! On va dire 8. Et je n'aime pas le champagne d'habitude. Hein. Non, attends, on fait un truc. On fait un truc. Vas-y, on coupe. On dit que le champagne, il a une note sur 10 de 2, d'accord? Oh non, vas-y. Non. Moi, je préfère la bière d'habitude. Oui, voilà. Enfin, comment tu noterais le champagne ce soir? Oh, 2 sur 10. Ah ouais? Pourquoi? Parce que je préfère la bière. Du coup, j'ai remarqué une chose ici. C'est que les Sparnassiens se réunissent que pour cet événement et la fête de la bière. Vous en pensez quoi? Non, en plus, il y a la soirée blanche, le 14 juillet. Ouais, mais c'est que pour l'occasion de boire un coup. Bah, c'est normal. Donc vous pensez que c'est normal? Naturel. C'est une façon pour nous de se retrouver. Ouais, c'est champagne, quoi. C'est... Allez, chin, on trinque et on boit. Voilà, c'est ça. La convivialité. C'est bien, tous les prétextes sont bons. Non, on n'arrive pas à rentrer dans les... Mais normal, vous êtes trop jeune. On a des têtes de grands. On a l'âge de grands pour boire. Hein. De grands, t'as vu ta 17 tête. Ans, 17 ans. C'est Kai Pernet, les Sparnassiens se rejoignent. Que pour la fête de la bière et cet événement-là. Ouais, c'est vrai. Vous êtes un peu des beaufs, en fait. tout de suite, le cliché, n'importe quoi. Qui sommeille en nous et on sort avec l'alcool. And what do you think about the little Frenchies like me? You're lovely. You're amazing. You're very welcoming. Very beautiful. Very beautiful. Ah, ça me fait plaisir. Thank you, hein. We love you, Paul. My name is Paul, exactly. Elle me drague, en fait. Faites attention, les gars, les Anglais, c'est plus que c'était. Attends. You can't understand, hein. No.
Ah. I say you are very cool. Ah, and you are all beautiful. Oh, thank you. Ça me fait plaisir. Oh, merci. Et pour finir, on va dire un petit big up à mon pote belge, hein. Big up mon gros, une petite frite. Comment vous appelez-vous ? Pierre. Et moi c'est Paul. Ah, Pierre et Paul. Mais où est Jacques ? Ah, je ne sais pas. Mais cherchons-le ! Oh, mais où qu'il est ? Mais je pense devant l'alcool. Ah, et tu viens d'où toi ? Mais je viens d'ici. Ah, mais moi non. Ah bon ? Vous venez d'où ? Je suis de Belgique, moi. Mais dans que le venez-vous Nord. Faire d'ici ? Ah, mais on revient à Sperre. Mais pourquoi ? Mais pour boire un coup. Et pas pour prendre une frite une fois ? Oh mais non, on l'a déjà pris il y a 2 jours. Ah bon, la frite ? Ah oui, 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 oui. Vous avez pris la frite ? À la frite et la cuite. Mais vous l'avez pris où la frite ? Ah ben la frite, tu veux que je te dise où on l'a pris ? Bah bien sûr, je veux le savoir. Eh ben, normalement, comme toujours, dans la bouche. Ah, ben, tu vois. Vous êtes plus dans la bouche, vous, bah c'est comme ça. Allez, une fois, tu vas quand même pas. Bah, et alors, ça va passer où ? Parce que je voudrais bien me voir. Ça va passer partout. Oh, mais ça va bien sur Internet peut-être. Mais exactement. Oh, mon Dieu. Et comment vous trouvez l'événement ? Il est bien, mais il y a trop de flics. Hein. Ah bon ? Ah, vous n'aimez pas les flics ? Regarde encore, regarde, filme. Film, regarde là. Oh là là. Attends, parce que. Bon. Oh là. Il y a une mouche. Il y a une mouche. Je te fais la bise. On se revoit bientôt. Bah. À l'année prochaine. Ouais, ben ouais. On se fait une frite ensemble. Ah, ben oui, ça va, ok. Allez. Ça va. Mais c'est toujours là les toilettes ? Ah, oui, toujours. Ah, ben ça va. À une prochaine frite. Allez, salut, hein, gars. Salut, hein. Donc voilà, hein, cette petite chronique. Je tiens à préciser que, suite au sondage, hein, les gens venaient pour le bon champagne que nous présentait Pernet et moins pour la parade qui, cette année, était un peu moins bien. On va le citer comme ça. Ok. Donc voilà, c'est tout pour moi. Ça marche. Bah merci Paul. De rien, ça me fait plaisir.